Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, coucou, 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 coucou. Voilà, je te fais ton petit coucou habituel. Aujourd'hui, je vais vous proposer la vidéo suite du chantier où on va poser la douche et on va refaire l'écoulement. D'accord? Donc, vous allez voir comment je vais faire. Je vais tester un nouveau tube, comment envoyer. Et je vais vous donner mon avis. Voilà, mais juste avant de lancer le générique. Donc, quand je tourne ce générique-là, on est le 5 mai. Et je vais vous parler d'une chaîne qui s'appelle La BAM. Et La BAM, ils ont créé ça. C'est un masque pour le coronavirus, là. Il est pas stylé, ce masque? D'accord? Moi, j'adore. Voilà. J'ai trouvé ça quand j'ai traîné un peu sur YouTube. Une petite chaîne qui s'appelle La BAM. 184 abonnés. Et ils font un jeu concours qui va être fait le 16 mai, d'après mes souvenirs sur la vidéo. Et ils vont me faire gagner 4 ou 5 masques. Voilà. Je vous mets sur le i, le truc de la vidéo. Comme ça, si vous voulez participer, eh bien, il suffira de suivre les instructions qu'ils vous ont données sur la vidéo. Et n'oubliez pas que si vous participez et que vous gagnez un masque, eh bien, vous m'envoyez un mail avec votre photo et le masque. Ok? Allez. Revenons aux choses sérieuses. La BAM, c'est fait. Ça, c'est fait. Je voulais vous le montrer. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hein. Allez, je vous lance le générique et nous, on se voit sur le chantier. Voilà. Allez, on est sur le chantier. Alors, je suis toujours sur ma douche là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en caméra off. En caméra off, vous voyez, je me suis fait une chape de propreté. Comme ça, je vais pouvoir poser la douche tranquillement. Donc, ce que je vais faire, je vais la poser. Et donc, ça va être un montage à blanc. Et je vais faire mes repères pour préparer l'écoulement. Alors, on va poser ça là. Voilà. Voilà. Donc je ne suis pas trompé sur les côtes. Ok. Donc là il va y avoir une plaque VD là pour pouvoir récupérer l'épaisseur du carrelage. Et après on va faire le reste. Allez, on va faire l'écoulement à blanc. Voilà. Et après ben, je prends un feutre classique hein, et je viens marquer mon axe. Voilà. Et je peux même faire le rond à peu près. Ça nous donnera toujours une petite idée. Alors voilà, donc là j'ai mon trou, mon repère. Et donc je prends mon siphon et je le place à peu près au milieu. Voilà, en direction de mon évacuation qui est là-bas. Et je vais vous parler d'un tube que la société Interplast m'a envoyé. Voilà, il m'a envoyé ce tube de tube. Regardez-le comme ça, vous trouverez la référence. On est à l'envers ou pas? Ouais, on est bon là. Vous voyez, vous trouverez les références comme ça. Voilà. Et ce tube, il est souple. Vous voyez? Il est relativement épais. Et ça ressemble beaucoup, quand on le regarde comme ça, on dirait un petit tube. Vous savez, comme dans les piscines, les tuyaux blancs. Donc, c'est des tubes souples et rigides à la fois. Donc, ça me plaît bien, je veux bien le tester là-dessus, et comme ça, eh bien, quand j'aurai mon siphon, j'aurai quand même un mouvement si j'ai besoin d'ajuster un peu pour tomber pile poil dans la douche. Voilà. Donc, tube d'évacuation souple. Interplast m'a envoyé ça. Et on va voir, je vais vous donner mon avis, mais ça me plaît bien, parce que ça me plaît bien. Voilà, ça me plaît bien. Allez, on va tester ça. 38. Voilà. Mais apparemment, ça se coupe tout seul. Ça fait pratiquement pas de bavure. Vous voyez? On les enlève à la main. Voilà. Donc pratiquement pas de bavure, ça c'est pas mal. On va le poncer un petit peu quand même.
L'autre côté, c'est la coupe d'usine, donc ça va. Allez, on va emboîter ça. Voilà. Et pour être sûr, je vais reposer le bac à douche pour être sûr que ça bouge pas. Alors, je sais pas si vous voyez, mais je tombe pile poil dessus. Donc ça, c'est nickel. Alors, on prend un repère comme ça. Et on prend un repère comme ça. Voilà. Et ici, on fait pareil. Alors, allez. Voilà, c'est collé. Et alors, je ne vais pas y toucher pendant 5-10 minutes. Et du temps, je vais m'occuper de régler les pieds du bac à douche. Alors, je vais dévisser, revisser les tiges pour être à niveau. OK? Comme ça, quand on le pose, on le mettra à niveau. Je vais reposer le bac à douche pour vérifier une dernière fois le siphon collé. Voilà, je tombe pile poil dessus. Impeccable. Et à partir de là, ce que je vais me faire un trait là pour mettre un cordon de silicone. Voilà. Comme ça, je sais que je ne dois pas dépasser. Ici, il va y avoir la plaque. Et là, donc pour l'instant que là. Bon, alors, je suis en train de regarder le manuel. Je vais essayer de pas faire des bêtises comme j'ai fait sur la platine de douche, si vous avez vu la vidéo d'avant. Voilà, donc il me dit tout. Donc ok, donc il faut le poser, le joint, il faut le poser sur le truc. Donc on le pose sur le truc là, voilà. Et à partir de là, eh ben, je me retrouve avec un joint à lèvres ici. Et avec ce joint à lèvres, ben, ça pourra venir pincer la douche. Plaquer tout ça.
Mon siphon est posé. Donc, je vais le mettre en eau. On va voir comment il s'écoule. Alors, je pourrais le mettre en configuration finie avec juste la plaque. Hein, mais pour les images, ça ne serait pas top. Donc, je me suis rempli un seau de ménagère là, pratiquement à fond. Et on va faire un test. Comme ça, moi, après, en dessous, je pourrai regarder si ça fuit ou pas. OK? Allez, on y va. Bah, faut pas vous mentir, c'est pas mal quand même. Hein. Donc ce siphon il marche très très bien. Voilà, donc je suis content. Voilà, on va continuer. Nickel, il n'y a pas une goutte. Il n'y a pas une goutte. Ce que je vais faire, je vais vous mettre en dessous et comme ça vous verrez la différence entre la première vidéo que je vous ai fait voir et ça à quoi ça ressemble. Allez, je vous mets en dessous. Et en dessous, maintenant, vous voyez ça. Vous voyez, il n'y a pas d'eau par terre, il n'y a rien. Et là, c'est pas mal. Et si je grossis, donc il faut faire comme ça. Voilà. On a un écoulement qui est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Allez, je vous fais voir un peu. Alors, j'ai récupéré la hauteur l'épaisseur du carrelage avec une plaque UVD là et là. J'ai bouché le petit trou là à la colle. Donc, on va attendre que ça sèche. Et j'ai bien envie de vous montrer l'étanchéité de la douche là. Et pour ça, ben, je vais vous mettre devant, comme ça sera plus facile. Allez, on se passe devant. Alors, pour la plaque de douche, regardez. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai pris un tissu. Là, je l'ai positionné devant, j'ai fait mes deux repères hein, et on va le positionner comme ça devant et comme ça ben, toute la plaque sera protégée. Et je vais tester leur goulot, leur étanchéité noire là, liquide. C'est une espèce de liquide rubber caoutchouc, c'est un caoutchouc liquide. Ok? Allez, on va le placer. Bon voilà, je viens de le poser, donc il faudra une deuxième couche. Je vais faire les deux bandes comme ça, là et là, de la même manière, mais je suis obligé d'attendre que ce soit sec parce que je vais le remplir. Oh, vous m'avez vu, oh, vous m'avez pas vu, mais on a mis ça, donc il faudra faire l'étanchéité. Et voilà, je pense que pour cette vidéo, elle sera suffisamment longue. On va arrêter là. Donc voilà, on a un écoulement qui est pas mal. Et moi je vous dis, eh ben, à ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo.